Attends un peu, quand tu es habillé comme ça, tu vas. C'est qu'il y a des questions que tu peux me poser comme ça. Hein? C'est qu'il y a des questions comme ça. C'est une question normale, non? Tu pars où? Non, je serai voir mon ami Derrick là, le copain. Ça te pose problème. Quand toi tu pars voir ton ami Derrick là, est-ce que tu sais qu'on a rien à manger dans cette maison? Je dis, on n'a rien à manger dans cette maison. Tu sais que je n'ai rien. C'est pourquoi, sur moi là, je n'ai que 300 francs. Rien que le transport aller autour, ça fait 150, 150, je reviens. C'est pourquoi je vais là-bas, parce que ici, je vais rester ici là. Il n'y a rien à manger. Moi-même, j'ai faim. Je dis, donc pour toi, comme il n'y a rien, toi, je ne peux pas chercher. Comme il n'y a rien, monsieur ne peut pas se battre. On va rester comme ça, on va mourir de faim ici parce que toi, tu ne peux pas te battre. Attends, tu vois que je me batte comment? J'ai mal au pied, je vais me battre comment? Attends, peux-tu raconter même quoi? Il y a les gens qui sont là, qui n'ont même pas les pieds que tu as là, mais qui se battent quand même au quotidien. Tu racontes quoi? C'est parce que tu es seulement paresseux, tu ne veux pas travailler. Tu dis bien qu'il y a les gens qui ont là, qui n'ont pas les pieds comme toi. Tu vois la différence? Tu es en train de mettre une différence. Tu vois la différence? Hein? Essaye un peu de comprendre ton français, parce que apparemment tu n'es pas bien en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Il y a les gens qui sont là, qui n'ont pas les pieds comme toi. Hein? Moi, je ne peux pas travailler où je suis. Moi, je suis malade. Il dit que appelle même ton frère, tes frères, ton père, il fait quelque chose comme d'habitude. Hein? Pour qu'on puisse essayer de jongler avec ça. Pour toi, c'est une vie là-bas. Tu sais déjà là-bas que dans ma famille, on ne t'aime pas. Tu sais déjà là-bas ça. Maintenant, tu viens encore ici, tu commences à faire ce que tu fais là. Tu penses que ça va donner quelle image? Mais tu sais bien qu'on ne voit t'abandonner. Tu es quand même leur fille, tu es leur soeur. Non, hein? je suis à une grande. Tous les moyens qu'ils ont là, normalement, on devrait même te situer. Est-ce que deux aveugles marchent ensemble? Hein? Toi, tu es bien dans ta famille. Toi, on devrait te situer. Là, on essaye un peu de jongler comme ça. Ah bon? Jongler, donc toi, tu ne peux pas te débrouiller seul. Il faut toujours compter sur moi. Regarde, je ressemble à quoi là maintenant? Même mes perruques, si tu as vendu toutes mes perruques, même voici cela, les chevaux vendent. Même ça me crée, je n'ai personne de ça au cas tu peux me crée. J'ai vendu, mais ça, on a mangé l'argent là ensemble. Est-ce que quand je vends, mais ça, on mange l'argent, on utilise l'argent là Dieu? Quand tu avais dit que tu voulais vendre, c'était parce que tu devais encore acheter les autres. Est-ce que j'ai les moyens maintenant? Je suis en train de chercher. Tu vas chercher là où tu vas causer dans la nuit des rires. Toutes les journées, tous les jours, tu vas causer avec des rires. Tous les jours, tu vas causer avec lui. D'abord, causer, il y a un salaire après. Il y a un salaire. Pourquoi tu es comme ça, au lieu d'aller causer comme ça, tu ne peux pas aller chercher quelque chose que tu peux faire? Toi-même, tu penses que tu peux faire quoi là où je suis là? C'est seulement causer que tu peux. Hein? Tu peux seulement causer. Tu causer peux, et manger. Regarde ce que tu peux faire. Tu peux m'appeler ton père. Hein? Tu simules un truc, quelque chose, je ne sais pas. Il peut débloquer même 4 millions, même 5. Ça fait un fonds de commerce. Je peux commencer à faire un bon commerce. Je peux ouvrir un shopping, un truc, je ne sais pas trop. Hein? Là, maintenant, on ne sera plus gamin. Attends, hein? Donc, tu es venu moi dans cette maison pour compter sur mon père. C'est sur mon père que tu veux compter maintenant. Tu sais même qu'on doit payer. Il doit même payer la maison le mois-ci. D'ici peut-être 4 jours, il doit payer. Autant de choses. Hein? Toi, tu vois seulement la famille. Toi, tu ne vois pas que bon, il faut payer la lumière, il faut payer la maison, il faut payer le câble, tout ça. Mais bientôt, même l'eau que tu puisses là, on va couper. Toi, tu ne vois pas toutes ces choses-là. On m'avait parlé, je n'avais pas écouté. Voilà ça maintenant. Bien. Essaye un peu de faire quelque chose. De ce quoi, j'ai mis ma puce dans ta tablette là. Je t'ai laissé le cholonco là. Je vais un peu utiliser ça. Il y a un peu les contacts là que je dois un peu appeler sur WhatsApp là. Qu'est-ce qui me surprend? C'est toujours comme ça. Moi, mon propre téléphone, je n'arrive plus à utiliser ça. Non, il faut me laisser. Mon propre téléphone, c'est toi qui utilises maintenant ça. Moi, j'utilise le cholonco. C'est même comment, c'est même quelle vie ça. J'ai quelqu'un même qui m'a même proposé de donner même 25 000. Est-ce que c'est même possible? Ne tente même pas, pardon. Je dis que ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. J'ai à tout vendu cela. Pardon, tu me laisses tranquille. Ça va. Moi, je vais chez mon ami. Je ne sais pas. J'ai un rendez-vous là aussi. Après mon ami, j'ai un rendez-vous là. Je vais essayer aussi de me battre pour voir si. Il peut faire quelque chose. Mais entre temps, va voir ton notre voisin là, Rob là, le costaud là. Il peut donner même si c'est 1 kilo de riz, tu fais en attendant. Moi, je peux rentrer avec quelque chose. Et tu sais que tu t'es gardé le jus, non? Tu n'as même pas honte. Et t'es gardé le jus. L'autre jour, après, t'es gardé un yaourt. Mais maintenant, je pense qu'il peut te garder un mango. Je suis très sûr de moi. Hein?
Donc tu vois un peu chérie. Donc ça va changer. Ah, laisse-moi. Ah, laisse, ça va changer. Toi aussi, quand ils sont en train de sortir, tu as la mine serrée. Il veut faire comment? Tu sais pas que tu es en train de gâter ma journée. Hein? Quand même, souris au moins. Ton mari ne peut pas être en train de sortir comme ça là. Toi, tu ne souris pas. Tu es seulement là, le visage froissé. Je peux même encore passer là, il cogne mon pied, mon deuxième pied en route. Maintenant, il veut arrêter deux béquilles. Il veut faire comment? Hein? Même il a arrêté deux béquilles. Peut-être la machin, on aura tiré. Parce qu'avec une béquille, là, tu me sens à toi. Toi, tu ne souris pas? Ok, moi je vais voir mon ami alors. Essaye un peu de faire un pour la cheveux. Tu vois, non? Hein? Si c'est bon, tu peux bien. Ce n'est pas mieux que battre une femme mariée chez lui. Chaque jour, c'est chez lui, tu m'envoies. Toi, tu penses que je peux vendre ma femme pour un kilo de riz? Un kilo de riz, c'est quoi? Un kilo, que tu as ça. Ah, laisse. Tu as un kilo de riz, c'est quoi? Donc, c'est pour un kilo de riz, je vais vendre ma femme. Ma bien-aimée. Hein? Quand j'aurai les moyens. Hein? Tu vas préparer comme ça 10 kilos de riz une fois ou deux. Tu jettes l'autre. Hein? Chaque année, tu fais ça. Tu jettes l'autre, tu mets l'autre dans la poubelle. Bon, chérie, pour moi, pardon. Fais un peu. N'oublie pas, hein? Hein? Ridou! Là-bas. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure. Alors, n'oublie pas de me biper, hein? Si c'est bon. Si ce n'est pas bon, tu fais deux bips. Je compte sur toi. La paix est sortie ici. Tu as dit que les deux que par ta mariage, je vis heureux. Moi, je suis venu souffrir ici. J'ai trouvé ma part. C'est ça qui me mérite. Quand j'étais venu chez mon père, je vivais bien. Vraiment. Mais mon frère, je dis, hein, toi tu es terrible. Je te dis sincèrement. L'autre jour, tu as fait comment? Tu sais très bien que je t'ai donné un rendez-vous. Je reste là. Je te rappelle, ton téléphone ne passe plus. Pourtant, tu savais que je t'attendais. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Et après même, tu as vu mes messages. Tu ne me lances pas. Hein? Laisse-moi, c'est le truc, c'est... C'est que franchement, j'ai un peu réfléchi à cette histoire-là, gars. Il est bien vrai que je n'étais pas vraiment très engagé. Tu n'étais pas engagé, pourquoi? Gars, la distance du terrain que tu m'as monté là, par rapport à la ville, Moum, c'est pas vraiment... La distance là m'a dépassé. C'est trop distant. Tu dis que tu veux faire les affaires. Et tu penses comme tu penses là. Quand c'est au moins un kilomètre. Mais mon frère, il faut quitter du goudron. T'as pas encore peut-être même 7 kilomètres pour atteindre l'hôtel aussi. On nous a dit quoi non? Ah, on va essayer de manger. On va essayer de manger. Tu fais manger. Tu m'appelles. Tout ça va être caca. Regarde d'abord, ouais. Toi, tu aimes trop babali. Madonna mia. Attends, c'est qui? C'est ma coco de Benga, non? Attends. Mince. Ah, on l'appelle que sérieux. Hein, ah, ça ne peut pas être sérieux. Quelque chose, c'est sérieux. C'est sérieux. Regarde. Mais... C'est sérieux. C'est pas que ça peut être sérieux. C'est déjà calé. Tout est calé. Adam, gros, c'est la nuit de ce. Oh, tu n'es pas venu. Tu as vu le message. Vois le message. C'est quoi Dieu, tu es en train de voir? C'est quoi? C'est ton téléphone. Ah, tu as la caméra. Il a dit que. Regarde le message, non? Ouais, tu es seulement en train de voir les nuits des nuits. Ton problème des nuits, c'est quoi? Calme-toi. Mince. Bon, faut quand tu bandes. Allez, te connais. Ah, calme-toi. Tu es un chef, tu aimes souvent. Tu veux le savoir là. Faut pas faire comme ça là. Elle parle de vacances, hein? Dans deux mois, non? Hey. Tout est déjà là. Tout est déjà posé, tout. Non, mon cher, tu sais que c'est pas le la NAC, les filles font souvent. La NAC, elle m'a demandé quelque chose. Au contraire, c'est elle qui veut m'envoyer quelque chose. Mais... Bon, il y a même une maison d'habillement là, où c'est comment on appelle la maison d'habillement. C'est écrit là. Elle va m'envoyer là-bas tout. Donc il faut qu'elle doit être clean quand elle vient. T'as besoin de 5 ici. Oh, donne-moi, dis donc, c'est quoi? Ah, toi aussi. Ah, on te demande quelque chose, toi tu es seulement là, tu sais quoi ton problème? Mon frère, ouvre les yeux. Tu comprends? Ouvre les yeux. Parce qu'en toute honnêteté, si tu ne sais pas que Yaoundé ici même était un village avant de devenir une ville, ouvre les yeux. Est-ce que tu sais qu'on peut se retrouver maintenant en train d'aller acheter ce site-là? Même si c'est Anguilla. On va, on achète le terrain là-bas
Et aussitôt, on l'achète. Quelques temps après, tu entends que peut-être il y a telle usine qui vient s'installer et c'est notre terrain qu'on a choisi. Et on devient, on passe directement des millionnaires peut-être à l'état de milliardaire. Mais ouvre les yeux. Les affaires, ce n'est pas comme tu penses là. Les affaires, je t'ai toujours dit, qu'on obtient sur la base de la facilité, finissent toujours par nous faire échouer. Tu le sais. Je ne peux pas avoir raison. Hein? Parce que quand tu me fais, ça me rappelle quand même un site là. De douane a construit au stade là. Mm-hmm. Voilà. C'est Olembe. Olembe. Voilà. Olembe. Olembe. Oui, parce que ce site-là, la bagarre, il ne te manque pas. On nous vendait le mec là-bas, tout colo, 2000. Alors, aujourd'hui, là, tu arrives, aujourd'hui, là, ta route passe, quand tu arrives là-bas, voilà. Tu pas de 15 000. C'est donc comme ça, je dis, ouvre les yeux, mon frère. Les affaires sont les. Là, seulement, il y a un sérieux problème. Oh, attends un peu, dis donc, c'est quoi ton problème? Ah, ils n'en aient pas souvent. Je te dis, c'est ma femme à la maison, là. Vraiment. Je sais pas. Je te dis. Comment? C'est un vrai, un sérieux problème qui t'as dit que je ne comprends pas. Donc, ta femme à la maison. Je ne comprends pas. Le problème, c'est. Ah, tu sais que. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je vis avec cette fille-là. Et tu connais, je n'ai rien. Je suis comme un bébé devant elle. Elle fait tout. Elle me fait tout. J'ai même déjà vendu toutes ses perruques, ses greffes, ses habits, les chaussures. Jusque-là, elle est toujours là. Et maintenant, comment se fait-il que l'Angala va venir de l'Europe et je vais gérer comment avec elle? Elle est là. Elle m'aime tellement. Je veux faire comment? Toi, me dis-moi. Le téléphone, si, c'est pour elle. Hein? Oui. Attends. C'est ça le problème? Mais. Non, c'est ça le problème. Non, c'est ça le problème. Et tu sais que où je suis là, je ne peux pas faire quelque chose de mauvais à cette fille-là. Oui, bonjour voisine, ça va? C'est bon. Ça va ma fille? Salut moi aussi, non, maman. Salut. Ça va bien? Pas vraiment. Pourquoi tu sembles si pâle? Pour dire quand ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quel souci? Non, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé et mon mari, lui, il est sorti depuis, il n'est pas encore rentré. Donc, je ne sais vraiment pas si tu peux m'aider, même avec, même si c'est mal le riz ou le spaghetti, je ne sais pas si c'est que je mange quelque chose, ça ne va pas. Jesus, ouais. Je ne sais pas pendant combien de temps je serai ton maître de corps primaire. Tu es marié. Quand tu poses la question, tu es marié, oui ou non? Je vis avec une fille déjà. Vous êtes marié. Mais ça, on dit que le vieux reste au Cameroun, c'est un mariage. On a dit ça. Vous êtes marié. Si elle meurt là, on la dans ton village. Ils ne sont pas mariés. Ok, c'est bon. De un. Depuis maintenant, tu as mangé quoi? C'est vrai. Elle-même, elle n'a rien mangé aussi. Ouais, depuis maintenant, toi, tu as mangé quoi? Rien. Ok. Je dis, disons, tu apprends à être sage. Tu me suis. Après être sage, on part de le hamburger. Il y a le hamburger qui est là, qui t'attend. Tu hésites entre le hamburger et ta tapioca. Toi, je ne sais pas comment tu fais ce choses. De fois, tu fais tes reprendre, tu blagues. Bon, tu me dis, ouais, il n'y a pas fait le hamburger gâté. Gâté avec quoi? Le tapioca, même le hamburger gâté, est-ce que le tapioca vaut ça? Tu avais une chien à la maison là, tu dis que tu as fait l'accident, tu dis, bon, si elle n'était pas là, ton pied, tu n'as pas marché. C'est pas ça le problème, j'ai pas dit ça. Mais elle a juste fait ce qu'une fille fait pour son gars, c'est normal, hein? Tu fais comme ça, elle a fait des choses exceptionnelles. Franchement, tu peux pas alors croire que je ne sais pas, c'est Catwoman. Bro, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le coup du destin. Le coup du destin, je te dis tout ce mot-là. Dans la vie, il n'y a pas la chance. La chance n'existe pas. C'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. C'est quand tu es préparé, l'opportunité arrive, tu saisis. C'est ça qu'on appelle la chance. Tu es resté, tu as pris ton téléphone, tu as causé, tu as sorti tout ce que tu pouvais, tu t'es même aidé. Ça, c'est la préparation.
quand l'opportunité se présente, tu saisis et ça devient la chance de ta vie. Mais je ne comprends pas. Ton mari là-même, il fait quoi dans la vie? Il n'a pas un métier fixe. Bon, c'est un jongleur. C'est tout ce qu'il peut dire là-bas. Non, mais jongleur n'existe pas. Moi, je te comprends. Je ne refuse pas de t'aider. Je vous ai dit la dernière fois que ma porte vous est ouverte. Au cas où vous avez un problème, vous passez. Mais je pose une question. On ne peut pas vivre comme... Nous sommes en ville. Hein? Et pour vivre en ville, il faut avoir la politique de ses moyens. Ou alors les moyens de sa politique. Hein? L'un ou l'autre. Parce que de cette façon-là, si vous allez passer le temps, imaginez-vous un seul instant que vous n'ayez pas un voisin comme moi. Hein, mon frère? Vous allez faire comment? Vous allez vivre comment? Donc, je vous comprends. Dieu a demandé qu'on aide et qu'on aide toujours. Je ne peux pas accepter que tu sois comme ça là et puis voilà que tu te mettes à souffrir. Hein? Tu vas entrer là, entre là, tu sais où il y a le sac de riz, non? Oh oui, essaye de te servir quelque chose. Tu penses que tu peux prendre là-bas, tu vas faire à manger. Vous n'allez pas rester là. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça, vas-y. Tu n'as pas besoin de ça. Oh. Caco, moi, tu es là, oh bébé, bébé, voilà, je t'aime, tout, tout, tout. Tu sors tout ton verbe du monde. La cible est là, tu commences à réfléchir. Pour une fille que tu dis qu'elle m'a aidé dans la vie, c'est la première fille qui a fait ça pour non? Est-ce que tu sais que le karma existe? Ah, là, c'est le karma. Là, c'est le truc. C'est le karma, là. C'est comment? Moi, j'ai la crainte de Dieu. Abandonner une fille comme ça, là, avec tout ce qu'elle a fait. Sa famille est riche. Elle, c'est pas une pauvre fille. Elle est abandonnée à cause de moi. Sa famille dit que moi, je suis un voyou, machin, Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. Sa famille est riche. Hein? Sa famille est riche. Ta famille est riche. Toi, tu es riche. Quand toi, tu me poses la question, tu vois que... Toi, tu es riche. Peut-être, il serait riche. Toi, tu es riche. Pour l'instant, non. Tu veux être riche. Mais attends, c'est quelle question que toi, tu aimes me poser la question. Tu veux être riche, c'est une condition. Tu dois pas être riche comment? Tu veux être riche, oui ou non? Bien sûr. Ok. Bon, un homme qui se dit être ambitieux, ce genre d'opportunité se présente. Au lieu de réfléchir, le problème actuellement devait être comment, je ne sais pas, la pousser à venir en juin et en septembre, tu rentres avec elle. Voilà le problème qui doit se poser actuellement. Et celle que j'ai à la maison, je l'abandonne. Mais elle repart dans sa famille. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle a fait quoi? Ha! Moi, bon, moi, j'ai. Moi, j'ai Bon, moi, j'ai jamais rien fait pour toi. Je ne te portais pas pour t'amener à l'hôpital. On parle de toi maintenant. Non, pas du tout. Elle a fait tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle prépare pour moi. Elle tout ça. Tu es 4 mois. Tu ne vas pas préparer. Tu es 4 mois. Hein? Il n'a pas un bon préparé. Parfois, elle appelle ses parents. Elle fait un truc. On envoie l'argent. Tout ça. Tout ce qu'elle m'a acheté de médicaments. Non? Elle maintenant, elle appelle. On envoie l'argent. Parce que quelqu'un qui doit gérer l'argent. Qui doit que je gère l'argent. Mon frère. Cette fille, le monde est terrible. Est-ce que tu sais que cette petite fille est arrivée ici? Hein? Elle avait peut-être même dans les 90 kilos. Elle vit avec quelqu'un là, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Il monte, il descend avec sa béquille là, et c'est la petite fille ici qui fait tout. Parce que j'entends souvent leur discussion là. Le mec lui passe le temps seulement à tout vendre à la maison. Il vend jusqu'aux perruques de la jeune fille. Les choses, quand je l'entends souvent se plaindre. Hein? Et elle l'aime tellement, et paraîtrait-il même, sa famille a décidé de l'abandonner parce que... Elle s'est mise en relation avec on le traite de gouniafier, non, on dit que c'est un bon arrière. Je te dis. Donc, dans tous les cas, non, c'est... Tu sais, moi, j'ai souvent entendu parler de ce truc comme ça, là. Wow. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Va faire à manger. Hein. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Okay. Oui. Ça, c'est terrible, là. Ne te mens pas. Oui, donc comme je te dis là, je ne sais pas les enfants. L'histoire qu'on dit souvent que les gars utilisent souvent le charme pour avoir des femmes. Car l'histoire, c'est peut-être réel. Hein. Comment dit souvent que l'amour. Moi, je ne comprends pas. L'amour ne peut pas être aveugle. L'amour n'est pas aveugle, ne te mens pas. Moi, ce que j'ai vécu en amour, c'est quoi? Hein? Et ce que je sais, c'est que l'amour, c'est l'intérêt des deux côtés. Parce que c'est l'union. Oui. Effectivement. Hein? Pour que une femme t'aime. Il faut qu'elle ait trouvé quand même certains trucs vraiment qui la tire en toi. Effectivement. Si ce n'est pas l'argent, le gars n'a pas l'argent. Mais je ne pense pas que le gars peut être fort aux fesses. On doit redonner l'argent aux gens qui n'ont pas dedans. Ça, ce n'est même pas un problème. Ça a une seule issue. Tu gères le business, tu te fais le carolo, tu go,
tu bois un bain, tu brises, je suis ton combi. Un moment que tu penses à moi, je viens. Toujours en train de tirer dans ton côté. Non, c'est normal. Maintenant, si tu te soucies, Crodel, en tant que penseur, si tu te soucies, Crodel, voilà la seule chose qu'elle peut faire, t'aider à jouer le jeu. Parce que, avec cette situation, tu as une femme que tu dois blesser. Tu es obligé de blesser une femme. Mais maintenant, il faut être stratège. Tu peux partir voir la dame de la maison, avec la galère que vous vivez. Vous êtes deux dans une maison, n'a pas encore mangé le matin. Tu expliques la situation. Si elle veut, elle entre dans le jeu. On vous envoie les euros. Vous mangez ensemble. Quand l'autre arrive, quand tu le jeu, elle part chez elle, tu héberges 2, 3, 4 jours. Après un mois, elle repart. La vie continue normalement. Vous avez vos euros qui arrivent. Vous êtes même des salariés. Hein? Vous êtes même des salariés. Après ça, c'est comme si vous avez un salaire chaque mois. La vie, c'est comme les échecs. On met le pion pour avancer. Tout doit être calculé. C'est comme ça. C'est un jeu. Ou le seul résultat, c'est le bonheur. Ton bonheur, son bonheur, le bonheur de ta future femme. C'est comme ça. Et si elle refuse? Tu la ramages, c'est pas grave, non? Elle a une maison, non? Basta, je me mets dehors. Rie, toi tu as envie de parler, basta, tu la renvoies, tu sais, elle a une maison. Toi tu as envie de parler comme si c'est aussi simple. Elle a fait 2 ans avec moi, mon ami. Elle m'a supporté pendant 2 ans. 2 ans de galère intense, même pas petite galère, intense. C'est elle qui gérait tout. Je prends son cabot, je dis je vends. Je prends sa perruque, je vends. Je prends sa babouche, je vends. Maintenant, si elle la chasse, tu ne vois pas comment la colère de Dieu va s'abattre sur moi, gars. Car j'ai peur de Dieu, franchement. Là-bas, je ne sais pas, mon frère, je n'ai même pas envie de penser à ça. Parce que tout à l'heure aussi, je voulais te parler. Parce que moi, je te connais. Parce que ton regard que tu viens de poser sur l'enfant là. La petite bien. Non, 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 je t'arrête tout de suite. Magne à la maison. C'est un bon bébé. Non, écoute, ta femme est là-bas. Non, avec non. Ses jumeaux. Non, non, non. Écoute, mon frère. Hein? Tu penses que je dois manger le légume tous les jours? Hein? De toi à moi, c'est pas possible. Et puis tu as du saumon. Mon frère, tu sais quoi? Ah, c'est je vais te donner un conseil. Non, écoute, non, non laisse, écoute, laisse tes écoute, conseils là, mon frère. Non. Écoute, mon frère. Non, pour la petite sœur, je meurs que c'est ça. Je vais te dire un truc. Eh bien. Le lion, quand il devient trop chasseur, là, il peut finir par dévorer même une antilope empoisonnée. Tu vas aller faire comme ça, tu ingurgites l'antilope là, c'est l'antilope là qui t'apporte. Arrête ça, mon frère, arrête. Mets-toi en tête que. Tu as déjà une femme à la maison. Je t'ai toujours parlé de fidélité. Sois fidèle à ta femme. La Bible que toi, tu lis tous les jours là. Il y a quelqu'un passage qui dit que si tu prends une femme pour chasser notre femme, c'est un péché. Ha! Oh, pas, non pas. Moi, je te comprends, père. Attends, attends. Si tu commences à la chatter avec celle-ci, pourquoi tu chattes? Mais tu es trop fidèle, tu es trop machin. Tu as commencé à ça pourquoi? C'est une chose de internet, donc ça vient seulement comme ça. Est-ce que tu sais même quand ça te prend? Internet, internet maintenant? Tu sais! Hein? Ça te dit que c'est l'occasion, tu dois saisir ta chance. Saisis ta chance. Ah, tu as fait une bêtise, bro. Regarde! Ne me fous pas. Tony. Yeah, bro, tu vas voir la tour Eiffel, mon. Tu vas voir l'arc de triomphe. Chasser Kiara. À cause d'une autre femme. Elle va couvrir notre homme. Mon frère, c'est comment? Tu penses là où tu es là? Tu penses avec elle là? Ça fait 2 ans, lui. Avec la galère ici. Tu vois là-bas les mounas des riches. Sauf où t'es là, cher. C'est un peu pas supporté. C'est vrai, tu me donnes toujours. Tu me conseilles toujours bien, mais bon. Mais tu n'apprends rien. Parce que tous les jours, on doit te conseiller. On prend à zéro. On commence. C'est vrai. Il a dit que. Le gars qui voulait le téléphone l'autre jour, le téléphone, il y a 25 ans, il y a un beau chaud. L'enfant s'est fait même comment? Depuis qu'on l'a envoyé là, hein, la bière là, il dit quoi? L'enfant là ne veut même pas, non? Il veut pas. Donc, que je boive arrête, la bière là. Arrête ça. Elle là, c'est une gamine. Je les vois là tout le temps. Ce sont mes voisines là. C'est une gamine. Hein, c'est ma voisine là, je veux dire, ce sont mes voisins. C'est une gamine. Ne regarde pas ça. Moi j'ai vu une poitrine rebondir avec des fesses qui sont sorties partout, partout. Tu me dis que quoi? Attends, toi tu vois ça comment? Ou bien c'est parce que tu la vois chaque jour? Moi je sors de quelque part. Moi je dis que c'est une petite qui est bien mangeable et qui mange même des pieds. Mon frère. La petite a fait des pieds. Mon frère, tu veux savoir quelque chose?
On loue toujours la beauté de la femme d'autrui, hein, parce qu'on ne l'a pas encore venue. Mets ça en tête. Tu vas voir une femme passer, tu vas dire, aïe, elle est belle, oh. Parce que tu n'as pas encore vu sa nudité. Est-ce que tu sais que cette petite fille que tu vantes maintenant, tu peux faire comme ça, elle se déshabille devant toi. Le kamnogo qui est au corps, ou bien les boutons, ou bien la gale, ou bien le njiba, toutes ces choses-là. Je te dis, ne vante pas les choses. Donc, ce qui n'est pas à toi, ne vante pas. Oui. Ne dis jamais à la femme de Truy, elle est belle. Hein, parce que tu ne sais pas. Lui seul connaît les problèmes de sa femme. Lui seul sait si sa femme est belle ou elle n'est pas belle. Donc, ça, c'est le paquet que tu vois avec les yeux. Donc, tu vois de l'extérieur, mais l'intérieur, tu ne sais pas. Et puis même, les enfants comme ça, pour qu'on ne nous méprise pas, hein, faisons un effort de ne pas nous occuper des choses qui leur appartiennent. Hein. Mmh. Tu comprends un peu? Parce que si on commence à s'intéresser à elle, là, ce ne sera pas une bonne chose. OK? Donc, voilà ce que nous faisons là. Okay. On prend une de l'autre côté. Moi, je vais revenir là. Je dois regarder un match. Et quand l'enfant va revenir avec les dières? Non, mais comme il n'est pas venu, ou alors on entre, on l'attend à l'intérieur. C'est mieux. Tu non, peux mais faire quoi? Même si il garde, donc. Bon, je alors, passer, si c'est mieux comme ça. Allons, mon frère. Allons. Dis-le, tu es maudit. Je suis venu maintenant pour que tu m'insultes. Non. Je ne comprends pas, mais oui, on ne voit qu'à faire sur vous. Ça marche avec toi. Tu es là. On est en train de gérer une situation que tu gères au téléphone. Et tu veux vendre le téléphone. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu sais que je suis déjà habitué à vendre les choses. Donc, quand moi, il voit seulement quelque chose, c'est moi. Et ce genre de vie-là que tu veux continuer. Parce que tu as laissé une femme à la maison. Quand tu sais, c'est vrai. Si elle a chance de sortir de cette galère-là, franchement, elle doit me comprendre. On dit que dans la vie, pour réussir, il faut un sacrifice. Alors, si c'est elle, le sacrifice, ok. Je suis obligé. Parce qu'automatiquement, s'il faut qu'elle la sacrifie, elle la sacrifie. C'est clair. Je ne peux pas. Non, quand même. Si pour une fois, elle a chance de sortir de cette galère, encore plus avec qui? Une benguiste. Gars, c'est clair. Voilà. Non, là. Voilà. Je ne veux rien. Tu as même temps réfléchir là comme mon ami, comme mon poulain. C'est comme ça. Non. Oh, tu sais que depuis, on t'a déjà pas mangé, non? Rien que pour ça. Le ton frère pas chez maman. Ah bon? Il y a 17 ans. Maman, il a assaut d'arachide. Oui. Ah, à longueur. Et il y en a tata, son père. C'est le prêt. Tu vas me passer 1 €. Il n'y a pas de problème. Tu as mon compte, oui, c'est 600. 1 € que tu me dois déjà. Il n'y a pas qu'un euro. C'est 650. Vous pouvez ajouter 50 sur ça. Ok. Yeah. Non. Mais. Non, ça va. Tu n'as pas de choc. Tu n'es 0. Mais. Tu sais que. Et quand on sait ce dont je te parlais par rapport au terrain là, c'est très important. Parce que quand on a beaucoup de terrain, on est un homme. Parce que même si tu revends ça, tu vois, tu peux revendre ça même dans 10 ans. C'est bien. Mais si tu restes là, tu commences à faire comme tu fais là. Ce n'est pas. Chérie, Kiaba. Viens, c'est quoi? Je t'appelle, tu ne me réponds pas. Mais c'est quoi, tu as un problème avec moi? Il n'y a pas que tu me mets comme ça. Et t'as fait, tu ne me réponds pas comment? Viens. Tu t'assois ici. Viens, ouais. Ah. J'espère que tu as quelque chose de très bien. Viens t'asseoir ici. Je sais, on fait la cuisine. Attends d'abord. Laisse d'abord ça. Viens. Ah. C'est la cuisine. Et qui t'a donné le riz? Tu t'as été fait le riz? Ouais, pardon. Laisse-moi me réponse par la cuisine. Tu vois? Comment ça va? Toi aussi, il faut un peu sourire quand il dit donc. Ah, toi aussi, tu vas passer toute une journée, tu as tué la mine serrée, c'est quoi? C'est toute la famille là, laisse-toi aller à l'oreille. Ouais, pardon, laisse-moi, c'est toi qui m'as donné ça. Mais c'est le voisin. Je souris avec ton voisin, c'est comment? Laisse-moi. Donc maintenant, tu es la femme du voisin. Mais c'est là que je m'envoie toujours. Non, tu m'as pas, tu sais que tu es ma femme, chérie. Bon, chérie, tu sais que vraiment, tu t'aimes beaucoup. Et tu fais beaucoup pour moi. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Toi-même, tu vois dans quelle galère nous vivons. Toi-même, tu vois. Ça ne donne pas. Rien ne marche. Même le travail dehors, là, je ne trouve pas. Quand tu penses qu'il ne cherche pas le travail, il cherche. Mais il ne trouve pas. Parce qu'on suppose que je n'ai pas toutes les formes de travailler. Hein? Bon, tu vois. J'ai une petite en Europe. Qui vient bientôt. Quoi?
Madame, j'ai mal. Tu as dit quelles choses qui arrivent. Comprends. Tu me dis quoi là? Écoute d'abord, laisse-moi parler. Ouais, laisse-moi parler. Donc, depuis que nous sommes là, tu prends mon téléphone parce que tu oses causer les femmes. Tu as mis le culot de venir jusqu'ici. Non, mais où va le monde? Tu as le culot de venir jusqu'ici pour me dire que tu as une petite amoureuse. Écoute-moi d'abord. Donc, nous sommes ici là, on n'a pas l'argent, on ne mange pas bien. Ouais. Parce que les petites que tu as en chrétien en Europe, c'est ça, non? Non, il y a cité les petites en Europe. Tu fais quoi? Elle avec toi pourquoi? Écoute-moi, elle avec moi parce que je lui donne l'argent. Hein? Tu lui donnes quoi alors? Écoute-moi d'abord. Tu ne me laisses pas parler. Pardon, toi, tu es ça ne m'intéresse là. Même plus. Pourquoi les femmes sont toujours comme ça là? C'est quoi? Je sais même pas. C'est bien qu'elle est. Laisse-moi parler, laisse-moi chuter. Qu'est-ce qui t'arrive même? Je te dis donc que j'ai une petite amoureuse qui doit venir dans 2 mois. Hein? Elle a un peu. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas jouer le rôle de ma petite soeur. Quoi? Tu comprends? C'est que tu es malade. Et que tu dois être malade dans ta tête là. Tu dois être vraiment malade parce que donc, maintenant, moi, c'est moi qui dois devenir ta petite soeur. Tu n'as même pas honte de me. Hey, Seigneur, on m'avait dit où? Quand on me parlait, j'étais même où? Pourquoi on n'avait pas écouté? Regarde-moi ça. Tu n'as même pas honte de me dire tout ça. C'est moi qui dois. Tu viens avec les femmes ici. Donc, ça arrive à ce niveau. Tu viens avec les femmes ici à la maison. C'est moi qui dois venir. Maintenant, je vais le rendre des petites soeurs, c'est ça? Tu es fou. Je dis rien. Le bonheur se pointe à ta porte, tu rejettes. Quel bonheur? Tu chasses. C'est un nouveau bonheur. Hein? Le bonheur se pointe à ta porte, tu chasses. Je vais te dire une chose. C'est que la galère, sinon, moi, j'en ai assez. J'en ai marre. C'est trop. Je te dis que c'est trop. On ne peut pas être toujours là, on compte sur les voisins pour manger. Non! Quand même! Si aujourd'hui, il y a la chance de sortir de cette galère, alors. Qu'est-ce que tu dois faire? Juste ton rôle de petite soeur. C'est tout! Elle va partir, alors on reste avec l'argent. Non. Et on vit maintenant bien. Non, maintenant, tu as des problèmes plus chez le travail, tu as des idées que gigolo. On appelle ça gigolo. Ah, c'est quoi? Attends, si une femme vient en Europe, elle dit qu'elle m'aime. Elle vient me voir. Pour le problème. C'est ça qu'on appelle gigolo. Ouais. Attends, le groupe ici, il y a l'argent en plus. Ouais, Seigneur. Hein? Je t'ai dit. Non, comprends. Je ne suis pas d'accord. Donc, tu peux même pas me convaincre. Je te dis ce que tu dois faire. Je ne peux pas, Alès. Lève-toi d'abord. C'est ce que tu dois faire. Comme je t'ai dit, tu dois jouer à ce jeu-là. Si ça ne te plaît pas, si tu ne peux pas faire, entre dedans, ramasse ce que tu connais. Ce qui est pour toi, tu pars. Ah, je savais que c'est là qu'on allait atterrir. Je savais. Donc maintenant, ton plan, c'était de me mettre dehors. Tu vas me raconter. Je ne veux pas te mettre dehors. Il te dit que tu joues le rôle de petite soeur. C'est tout. Je ne joue pas. Il faut quoi? Je ne joue pas. Hein? Je ne suis pas née pour être mendiante. Je ne joue pas. Ah bon? Oui. Tu choisis quoi alors? Parti, non? Tu vas aller où? Je ne veux pas. Je ne bouge pas. Tu vas aller. Laisse-moi passer. Mais écoute, toi, tu vas sortir. Tu vas aller faire tes choses à l'homme. Non, mais tu te prends pour qui? C'est quoi? Tu veux passer le temps à te demander tous les jours, tous les jours? Mais une salope comme ça là. Tu penses que. Tu vas partir. Salope toi-même. C'est maintenant que je suis devenue salope et il n'y a pas de problème. Mais, on parle à une personne, elle est là, elle est capable de faire. C'est quoi? C'est quel amour ça? Hein? Quoi? Prends. Pardon, je ne bouge pas. Tu t'amuses pas, hein? Je sais que je ne bouge pas. Tu t'amuses pas comme ça, hein? Je ne bouge pas. Ouais, laisse entrer, je sais pas. Oh, je te bafle. Je suis en derrière toi. Mais tu t'amuses pas, hein? Je ne vais pas. Qu'est-ce que c'est comment avec toi? Je vais ancrer, c'est pas ton problème. Mais t'amuses pas, hein? Ha! Dis ce que c'est. Hey! Mais t'amuses pas avec moi, hein? Tu as suivi, non? Tu sais ce que c'est, hein? Tu fais ce que je te demande. Je ne suis. Non! Je ne suis pas en train de négocier. Tu as suivi? Attends, mais dis ce que c'est, t'arrives. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Je ne peux pas faire ce que tu me demandes, mais je vais. Dégage, non! Dégage! Oh, tu sais, laisse-moi tranquille, je ne parle pas. Dégage. Je ne parle pas. Moi, je parle pas. Sors d'ici. Je ne parle pas. Sors d'ici, je te dis. Okay. Ramasse ta machine, tu pars. Fâche-toi, dis donc. Je ne parle pas. Fâche ton père, non? Je ne parle pas. Ton père est une grande maison, non? Laisse-moi en paix. C'est bon comme ça, je ne te veux plus. Moi, il reste. Mais, tu penses que deux enfants marchent ensemble? Hein, tu vas tenir la main de l'autre. Non, mais c'est quelle histoire ça? C'est à cause d'une femme qui sort de chez elle, surtout que tu as me jeter dehors. À cause d'une femme, hein? C'est à cause de mon bonheur. De toi, tu comprends? Tu sais que tu dois être. J'ai la malchance avec toi, c'est même quoi? Viens, je ne pars pas. Tu vas partir chez vous. Je ne bouge pas. Mais c'est quel poste? C'est quel poste que tu. Tu me veux quoi? Et tout l'amour là comme ça? Hein? Je sais que je ne pars pas. Je ne pars pas. Pars chez toi. Je ne pars pas. Pars chez toi. Où je vais encore. Voisin. Oui, voisin. Bonsoir. Oui.
Je peux savoir ce qu'il se passe? C'est quoi ces éclats de voix? Voisin, hein? Voisin. Oui. Ce qui se passe, c'est que madame, ma jolie femme qui est ici, ne veut pas comprendre certaines choses de la vie. Elle ne veut pas comprendre qu'il y a des opportunités qu'on ne laisse pas dans la vie. Hein? Elle ne veut pas comprendre que quand l'opportunité se présente, sur votre bras. Quand l'opportunité se présente, on a saisi. Elle ne veut pas. Regarde dans quelle galère je vis. Ça fait combien de temps nous sommes là dans la galère. Maintenant, l'opportunité se présente. Elle ne veut pas. Hein, grand frère. J'ai une go qui a un ben, qui vient dans 2 mois. Non, même pas. Oh. Je lui dis que je joue le rôle de petite soeur. C'est tout ce que je demande. Elle ne veut pas. Bon, comme elle ne veut pas, alors moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Grand voisin, quelle part tu chez elle alors maintenant? Moi, je vais rester. Je ne peux pas. Grand, tu dis quoi? Même, est-ce que c'est normal? Tu dis quoi? Je vis avec cet homme depuis 2 ans, je dis je supporte, je fais tout. Maintenant, à cause d'une femme qui sort de je ne sais où, il vient me mettre à la porte, qu'il ose me frapper. À cause d'une femme qui Écoute un peu, voisin. Écoute-moi, regarde-moi. Est-ce que tu trouves normal ce que tu viens de me raconter, l'histoire que tu me racontes là? Est-ce que tu penses véritablement? Écoute, je suis en train de te parler. Et je te parle avec une langue droite. Te voilà. Tu vis avec cette fille. Je vous ai vu arriver dans cette maison. Quand cette fille est arrivée ici, elle pesait environ 90-100 kilos. Regarde ce qu'elle est devenue. Elle a dit qu'elle fait la taille, non? S'il vous plaît, permettez-moi de parler. Je m'adresse à vous deux. Alors regarde ce qu'elle est devenue. Carrément la moitié de ce qu'elle était. Tout cela pour qui? Pour toi, pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. Il arrive des fois ici, que vous soyez ici en train de vous disputer. Je tends un peu l'oreille. Je finis par comprendre, donc par entendre le but de votre querelle. Plusieurs fois ici, cette fille, je l'ai entendue se plaindre du fait que tu prends ses vêtements, tu vends. Tu prends ses perruques, tu vends. Cette fille est venue ici, elle était toute brune. Regarde son corps, elle a fané. Hein? J'entends souvent ici comment vous parlez, comment elle dit. Tu lui demandes d'appeler ses parents, d'appeler ses frères pour pouvoir vous envoyer de l'argent pour vivre ici. Par rapport à son comportement, parce qu'elle est très gentille, je vous ai ouvert ma porte. De telle sorte que chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, j'ai dit, si je peux vous aider à la mesure ou alors à la limite de mes moyens, je le fais. Alors d'où vient-il aujourd'hui que toi de ton côté, sous le fallacieux prétexte d'une fille qui sort de l'autre côté, qui sort de l'Europe, qui vivrait de l'autre côté et qui va venir ici. Tu te permets, toi, de ton côté, de prendre cette jeune innocente et de la balancer aux ordis, comme tu es en train de faire là. Est-ce que tu sais que le karma existe, petit? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux... Qui te dit? Tu sais que son avenir, demain, c'est quoi? Tu vas te retrouver en train de dire, tiens, voilà, je ne veux plus de toi. C'est... Donc, aujourd'hui, c'est elle qui est la cause de tes échecs? C'est elle? Au point où tu prends, je n'aime pas les hommes qui frappent sur les femmes. Ok? La violence ne résout pas les problèmes. Donc si ça se trouve, ça ce sont tes vêtements. Donc comme ça là, rapidement, tu as fait un sac. Tu lui remets. Alors je vais te donner un conseil d'aîné. Si tu es sage, mets ça en pratique. Commence déjà par bloquer cette fille qui va arriver. Parce que je vais te dire une chose. La plupart des filles qui viennent de l'autre côté ont déjà des vies. Et ne pense pas que c'est à ton âge. Attends, tu es qui? Tu es le plus beau gosse au monde. Elle n'a pas d'homme là-bas. Elle viendra ici, elle va finir de profiter peut-être de toi et tout. Hein? Et même, c'est le même. Si, disons même que ce soit une fille sérieuse qui est en train de venir, tu ne vois pas que tu vas te mettre dans les problèmes. Non seulement tu vas te permettre de te jouer d'elle en utilisant cette petite fille comme étant ta sœur. Et de l'autre côté, elle va souffrir par amour pour toi. Pourquoi? Alors, je te dis une chose. Prends conscience. Celle qui vient là, elle t'a rien fait, dis-lui la vérité. Appelle-la dès aujourd'hui ou écris-lui. Dis-lui que tu as une vie. Et si elle t'accepte, si elle t'accepte donc ainsi, déjà que moi je ne peux pas t'encourager de vivre dans l'infidélité. Si à ta petite amie, Dieu bénit toujours les couples fidèles. Ok? Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Bats-toi plutôt. Je voudrais que tu aies le même acharnement de te battre pour pouvoir réussir. Hein? Obtenir même seulement un travail pour
nourrit cette fille. Toute sa famille l'a rejetée. À cause de toi. Es-tu conscient de cela? Toute sa famille lui a tourné le dos. Et elle, par amour, elle s'est dit, je suis mon homme. Mais maintenant, tu veux la déposer. Attends, c'est quelle honte ça? C'est quelle honte? Si tu me respectes dans un temps soit peu, comme étant ton aîné, tu vas porter ce sac, le remettre à l'intérieur, prendre ta femme, entrer avec elle. Et plus jamais que je n'entende ce genre de propos. Mais c'est quoi? Hein? Tu fais quel choix là? Le choix de l'intérêt, le choix de quoi? Le choix, tu es devenu quoi? Un matérialiste? Mais ça, on profite. Il faut m'arrêter ça. Ne me raisonne pas. Je te dis que ce n'est pas bien. On se comprend? Regarde-moi. Je te parle, petit. Je dis, tu raisonnes comme un homme. Dis-toi, voilà ta femme. Tu peux bâtir ta vie avec elle. OK? Et même si on te chasse dans sa famille, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Demain, qui sait? Peut-être on finira par t'accepter. Elle n'est pas d'une mauvaise famille. Elle est issue d'une très bonne famille. Alors tu veux te jouer des femmes en faisant venir l'autre de l'autre côté, l'autre est ici. Après tu vas jouer comme ça là. Et à la fin, qui se fera prendre? Pas toi. Allez à la maison. Calme-toi. Calme-toi, c'est ton homme. Regarde. La pauvre était même en train de faire la cuisine. Viens, tu vois? Ta mamie est en train de se faire. Mmh. Non, ça va. Prends les choses, vas-y. Va cuisiner, c'est bon. Tiens, c'est bon. Laisse. Parfois les hommes font des choses sans savoir. Lève-toi. Va à la maison. Hein? Faut arrêter ça. Mettez-vous ensemble. Et ça, là, je t'ai dit, bloque-moi ça. Bloque ça. Dis-lui la vérité. C'est quoi ça, la fin? Oh là là. Pourquoi les gens ne peuvent même pas s'occuper de leur manioc ici, là? C'est quelle histoire, ça? Un couple, là, nous sommes en train de faire nos problèmes, il vient rentrer dedans. Toujours parce qu'il m'a donné un demi-kilo de riz pour manger. C'est mal vrai. Ma femme, je l'aime aussi tellement. Hein. Non, je ne peux pas faire ça. Chérie, tu m'excuses. Hein.